Kembele no nzambi, kembele no ae, mukungana munzambi, kembele no nzambi, kembele no nzambi, kembele no ae, mukungana munzambi, kembele no nzambi. Je crois très profondément que ce que Dieu a fait de grand, de merveilleux, et qu'il a fait pour que le monde sache qu'il est Dieu, il a fait à Pâques. Parce que à Pâques, il s'est réconcilié avec chacun de nous, non plus en comptant sur l'homme, sur sa fidélité, mais en constatant ses péchés et en comptant sur son propre sacrifice, le sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Et en allant jusque-là, nous comprenons qu'il n'y a plus rien qui va nous séparer de Dieu. Et ce qui nous manque, ce qui manque à beaucoup, c'est simplement de le savoir. Que Jésus nous a réconciliés avec Dieu. Que ce qui s'est passé au Jardin d'Éden, définitivement, est maintenant réglé. Et c'est pour cela que quand le Christ est venu, il s'est vraiment présenté comme le sauveur de l'homme. Le sauveur de la femme, et quelles que soient les circonstances, désormais nous sommes pardonnés. C'est-à-dire que la rupture qu'il y a eu au Jardin d'Éden, à Pâques, a été totalement annulé ou reconverti en véritable salut. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Ce qu'il a fait de grand et même de très grand, c'est que ce qui paralyse la vie sur la terre, ce qui empêche de penser à demain, ce qui empêche de prospérer, a un nom, c'est la mort. Et qui que tu sois, quel que soit le lieu où tu es, quelle que soit la culture dans laquelle tu as grandi, tu es obligé de constater que la mort est définitivement la fin de la vie sur la terre. Et la mort alors constitue pour chaque homme une équation insoluble. Il y a des personnes qui rassemblent beaucoup de bien et ils espèrent avoir un bonheur avec cela. Mais c'est bien, à un moment donné, il est obligé, ils sont obligés de les laisser sur la terre. Et on peut proclamer qu'on est heureux, qu'on a le bonheur, qu'on a tout ce qu'il faut sur la terre. Mais quand la mort arrive, on est obligé de constater qu'il n'y a plus rien à faire que de partir. Alors, ce qui empêche l'homme d'exister de manière continue,
Dieu non seulement par Jésus a réconcilié l'homme de lui, mais là encore, il est venu abolir la mort. Et c'est pour cela que on s'est écrié dans la Bible, mort, où est donc ton aiguillon? Toi qui régnais sur tous et sur tout le monde, Jésus, en étant ressuscité par le Père, a vaincu définitivement la mort. Alors, la mort n'est plus cette angoisse continuelle de l'homme. Je crois que tout le monde l'a eu. Moi, je l'ai eu. Mais plus tu avances, plus tu comprends que Dieu a fait des grandes choses en ressuscitant son Fils. C'est-à-dire en disant que la mort désormais n'existe plus. Et pour le savoir, pour l'expérimenter, il faut aller accepter Jésus-Christ. Alors le chemin par lequel il est passé, toi aussi il va te faire passer par là. Et c'est ce qui proclame la gloire de Dieu. La gloire de Dieu existe parce qu'il s'est réconcilié en se donnant lui-même au sacrifice, en donnant son Fils. J'ai dit lui-même parce que le Christ a dit, qui m'a vu a vu le Père. Et tout le temps qu'il est venu sur la terre, c'est pour que désormais, tout chante pour la gloire de Dieu. Parce que tout est réconcilié avec Dieu. Mais dans le même temps, il est venu montrer que la mort, on peut la mettre dehors de sa vie. Et cela est important pour nous, pour toi qui me regardes. Parce que tu es hanté par la mort. Et qui te fait courir partout où tu veux aller, où tu vas. Mais aujourd'hui, Dieu a fait la grande chose, les deux grandes choses. Se réconcilier par lui-même avec nous, avec toi. Mais ressusciter, montrer que la mort n'est pas le dernier mot. Le dernier mot, c'est la vie. Et même quand tu es mort, tu vis. C'est ce que le Christ a dit. Donc, mes amis, Kembele Nzambi, accueillez Dieu, proclamez-le, proclamez sa gloire, glorifiez-le, parce que ce qu'il a fait, personne ne pourra le faire. Personne. Mais ce qu'il a fait est pour toi. Quitte tes angoisses. Repars à Dieu. Il te montrera que le Fils, son Fils, est là pour toi. Que Dieu te bénisse et te garde. Joyeuse Pâques.